à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site Pensomwe. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un déballage de Diamond Painting. J'ai choisi 3 DP. La collaboration s'est faite le 4 mai et j'ai reçu les produits samedi 13 mai. Oui, c'est samedi dernier. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par la plus grande. Tiens, ça changera. Alors, je me décale. Hop, juste cette chaise qui me gêne. Alors, j'ai pris ce DP là. C'est un 40 par 40. Alors, je l'avais eu en 30 par 30 et je trouvais que c'était trop petit. Donc, je l'ai repris plus grand. Voilà, je l'ai repris en 40 par 40. Là, il rend vraiment super bien. Donc, on verra ce que ça donnera. Alors, je vais utiliser la grosse réglette. Enfin, la grosse raclette plutôt. On va le mettre... Non, attendez, je ne vais pas faire comme ça. Mettre comme ça. Dans le sens des pliures, ça sera mieux. Elle est pas mal, hein, cette raclette là. Ouais. Hop. Et on va faire l'autre côté. Comme ça, vous pouvez voir aussi. Bon, par contre, le DP, il a été plié. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas. On a beaucoup de vent aujourd'hui. Elle est géniale, son raclette. Franchement, j'en avais pas. Je me suis jamais servi de raclette, mais elle est pas mal du tout. Bon, il va falloir que je mette bien sous plein de poids pour que ça s'aplatisse. En tout cas, il est très joli. Alors, donc c'est un 40 par 40. On a le rappel de l'image et on a du coup deux tableaux, hein, en bas et en haut. Alors, hop, je vous montre le tableau des symboles. On a combien de couleurs? On en a 24. Et on n'a que des lettres majuscules avec le numéro DMC ici. Ok. Alors là, il y a marqué « Strawberry ». Je ne sais pas si après en diamantant, ça se verra. Mais en tout cas, à la caméra, on le lit bien, hein, Strawberry. Alors, on va regarder le collant. Wow, ça colle très très bien. Au niveau de l'impression, la toile est pailletée. Et au niveau de l'impression, c'est un petit peu léger, j'ai envie de dire. Mais ça se voit quand même, quoi. C'est surtout l'impression claire qui est pas... C'est pas net, 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 mais bon. Ça se fera quand même. Alors, avec ce kit, on a... donc, le toolkit avec un grand pain de colle, finalement, une barquette et un stylet rose. Et on a des diamants en sachet ribambelle. Donc, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, du rose, du noir, pas mal de rose forcément, des marrons. Donc, ça, c'est du marron foncé, du beige. Hop, je vous montre comme ça. Voilà, les couleurs sont vraiment superbes. Un très joli DP à faire pendant le printemps ou l'été, hein. Même pendant cet été, c'est vrai que ça peut être très sympa. Ouais, cette petite bouille là, pleine de fraises sur un toast,
J'ai complètement craqué. Alors, je l'ai appelé Cartoon Fraise, donc en 40 par 40. Il était au prix de 6,34 € au moment où je l'ai demandé. Allez, on passe au second. Alors, pour le second, je crois qu'on retourne chez les Gorgeous avec les deux suivants et j'ai pris celui-ci. Il est superbe, j'ai adoré. Alors, bon, il n'y a pas trop de surprises parce que j'aime le bleu et je l'ai trouvé trop beau. Voilà, avec les petites étoiles, le ciel, ouais, le ciel étoilé, les cadeaux. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, on a la référence de la toile, hein, la taille, 30 par 40. On a le rappel de l'image. Et on a le tableau des symboles. On a 31 couleurs. Waouh! 31 couleurs. Donc, au niveau des symboles, c'est un mélange de lettres majuscules et de chiffres. Et on a la DMC à côté. Donc vous voyez, l'impression, rien qu'à travers le papier, est déjà bien. Et donc on a un deuxième tableau symbole ici et ils ont remis l'image. Alors, hop, on va faire le test. Bon, regardez. Voilà, ça colle super bien. Ça colle super bien et je vous montre l'impression. Alors celle-là, il n'y a aucun souci. C'est très très net. On a la délimitation des ronds. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est bien, ça permet de bien placer son diamant. Et vous voyez comme ça brille? Regardez ça. La colle est top, hein. Donc on va remettre le papier. Et c'est ce que je vous disais, la raclette, vous voyez, fait vraiment toute la longueur en fait du DP. Et ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool. Donc la raclette, elle fait 30 cm, 25 cm, je crois. C'est la plus grande que j'avais prise. Et franchement, y a rien à dire. Allez, hop. Et voilà. Un coup de cuillère à peau, c'est fait. Enfin, un coup de raclette, du coup. Et ça a placé vachement bien la toile. Elle est trop, trop belle. On a toujours donc le toolkit classique, cette fois-ci un petit pain de colle, une barquette et le stylet rose. Et les diamants, toujours en sachet ribambelle. On a la référence de la toile ici. J'avais oublié de le préciser pour le premier kit, mais c'est pareil, hein, le numéro de la toile est marqué sur les diamants. Donc vous pouvez conserver la toile et les diamants de façon séparée. Et voilà un petit peu les couleurs. Donc là, on va être sur des couleurs plus foncées, hein. Oh, regardez ces bleus. Waouh. Waouh. Oh, il est beau celui-là aussi. Un bleu gris, un petit peu de rose. Des verts. Des bleus, des bleus. Bon, beaucoup de bleus, hein, forcément. On va essayer de. Alors, je ne vais pas tout sortir, juste écarter un petit peu les sachets. Voir si on ne peut pas en. Voir un petit peu plus. Désolée pour le bruit. Hop. Regardez. Donc des roses. Là, on a du gris, on voit pas bien. Des bleus, là, comme ça. Oh, ouais, des verts. Là, on a du jaune, on a du pêche. Non, franchement, les couleurs sont vraiment très belles. J'aime beaucoup les Gorgeous. J'aime beaucoup. Alors, cette petite toile Gorgeous avec ses cadeaux en 30 par 40, elle était au prix de 4,53 €. Allez, on passe à la dernière. Alors, la dernière, c'est aussi une Gorgeous. Et c'est une Gorgeous qui me faisait penser à la princesse aux petits pois. Regardez. Elle est sur une tonne de matelas. Elle est sur une tonne de matelas. Elle est très jolie. Alors,
Ouais, ça fait un petit peu bizarre quand on le voit en vrai. Regardez, au niveau des cheveux, ils ont mis du vert. Ça fait trop bizarre quand on le regarde comme ça. Et quand on le regarde à la caméra, eh bien en fait, ça fait un joli reflet par rapport à la lune qui est derrière. Donc, ouais. Des fois, on se dit qu'ils mettent des couleurs un peu bizarres. Et puis, non, c'est quand même réfléchi, je pense. Alors, on va contrôler la colle. Mais voilà, il n'y a rien à dire, ça colle très très bien. La toile est beaucoup plus souple que l'autre. Donc ça, c'est pas le même fournisseur, je dirais. On va regarder au niveau de l'impression. C'est un petit peu plus... non, ça va. Non, ça va. Même l'impression blanche, c'est ça va, c'est très correct. Non, c'est très très bien. On voit bien la délimitation des ronds. Donc après, voilà, on va. Il faut espérer en fait que les ronds, que les diamants soient bien taillés. Que les diamants soient bien taillés pour pas que ben, les ronds soient trop grands par rapport aux diamants. Mais il n'y a pas de raison. Après, moi, j'ai jamais eu de soucis hein, au niveau des diamants painting. Là, je finis, vous savez, mon carré, la grande toile carrée, là. Après, je suis pas trop exigeante non plus là-dessus. Sur d'autres choses, oui, mais voilà, au niveau du diamond painting, moi, ça passe bien. Donc, ce DP, on est sur du 30 par 40. Donc là, vous avez la référence du DP. Vous avez l'image. Non, là, on l'a qu'une seule fois. Donc là, on a le tableau des symboles et on a 20 couleurs sur celui-là. Ce ne sont que des lettres majuscules avec la DMC à côté. Voilà. Donc vous avez deux tableaux, hein, un autre en bas. Il va être bien celui-là parce qu'en fait, avec l'accumulation de ces matelas, eh bien, on va souvent changer de couleur. Alors, il va y avoir beaucoup de couleurs, mais ça fait quand même des zones blocs, donc ça fait une avancée de toile qui est quand même rapide. Je le trouve vraiment intéressant à faire celui-là. Alors ensuite, on a, ben, comme d'habitude, hein, le toolkit avec le pain de colle, la barquette et le stylet rose. Et regardez les couleurs de ce diamond painting. Donc là, on a la référence. Alors là, ils ont rajouté ZW. Parce que sur la toile, hop, c'est bien marqué A4836. C'est bien celui-ci, A4836. Voilà. Je ne sais pas pourquoi sur certaines DP, ils mettent des lettres supplémentaires. Donc les couleurs sont comme ceci. Oh, un très joli violet. C'est ça, c'est du marronné. Hop, fais-moi le focus. Voilà. Alors, il ne va pas vouloir. On a des verts. Encore des marronnés, des bleus. Attendez, je savais quoi. Je les sors et je vous les montre. Hop, allez, je les sors comme ça. Donc, des bleus, des marrons, des verts. Ah, il est très joli celui-là aussi. Là, on a quoi? Du gris et du rose. Comme ça, ce sera peut-être mieux. On a des violets, du blanc. C'est du blanc, ça, c'est quel numéro ça? Le numéro 8. Non, c'est du 762. Après, on a du bleu violacé, des marrons. Du pêche, et ça, ce sont les couleurs que l'on a vues devant. Alors, je suis désolée, hein, mais je les enlève pas parce qu'après, pour les remettre, c'est la galère. Surtout les sachets ribambelles comme ça. Alors, ce diamond painting gorgeous avec ses matelas en 30 par 40, il était au prix de 4,53 €. Voilà. Donc, de très jolies toiles avec deux belles gorgeous.
Et puis, on va essayer de mettre, hop, cette... Alors, attends, on va faire comme ça. Comme ça. On va mettre... Voilà, on va mettre au milieu. C'est pas évident, hein. Voilà. Comme ça. On va décaler un petit peu. Hop. Comme ça. Voilà, donc ces trois produits chez Pensumway, je vous mets les liens dans la barre de description avec le lien du site. Je ne me rappelle plus si j'ai un code promotionnel chez Pensumway. S'il y en a un, c'est pareil, je vous le mets en barre d'information. Dites-moi si vous avez une de ces toiles dans votre stock ou si ce sont des diamants de painting qui vous tentent. Et puis, ben, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je pense vous mettre un petit peu de vidéo de réalisation. Voilà. Et puis, je ne sais pas sur quoi. Soit du diamond painting, soit du point de croix. Et on se retrouve donc tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye!